Bonjour, bonsoir. Nous comptons entrer là Kayo avec rubrique petit causé sous finances publiques que moi-même qui c'est Jean-Edi Metelus avec Jicom Boté pour chaque mois. Dans la dernière vidéo, nous t'ai présenté l'administration financière haïtienne. Pour nous t'ai fait ça, nous t'ai commencé à garder quatre institutions qui font partie de l'administration financière. Nous pourrons continuer, Jean, que nous t'ai annoncé avec même et partie ça qui c'est administration financière, mais aujourd'hui nous parlons quatre autres institutions encore qui c'est Institut haïtien de statistique et d'informatique qui c'est IHSI, nous parlons Banque de la République d'Haïti qui c'est BRH, nous parlons Loterie de l'État haïtien qui c'est LE, et puis nous parlons Fonds d'assistance économique sociale qui c'est FAES. Normalement Institut haïtien de statistique, j'en ai dit I pour institut, H pour haïtien, S pour statistique et puis I pour informatique. Donc c'est une institution qui est là pour produire des données officielles pour mettre à disposition l'État haïtien et un bon lot de décider pour être capable de gagner une connaissance réelle des réalités de la société haïtienne. En d'autres termes, nous sommes capables de dire IHSI, c'est la banque de données officielle de l'État haïtien. C'est peut-être ça, après, on décide des besoins, on ensemble des données, par exemple, sur une commune, eh bien, ils vont aller dans IHSI pour rejoindre des données. Et c'est IHSI, tout, nous connaît qui a réalisé le recensement de la population qui a fait en 2004 et qui a gagné pour faire dans un titre qui n'est pas trop loin. Deuxième institution, c'est Banque de la République d'Haïti. Banque de la République d'Haïti, BRH, il y a le Banque Centrale, tout, il y a le Banque des Banques, eh bien, c'est l'institution financière qui assure les services financiers de l'État haïtien. Mais BRH a une bonne autre mission. Une mission principale de BRH, c'est appliquer ça qui est la cause politique monétaire. Donc, de vous dire politique monétaire, vous avez l'autre institution que BRH. Politique monétaire, ça, pour les gens qui pas trop puiser dans ça. Par exemple, quantité l'argent qui a imprimé. Par exemple, banque, yo met une série de restrictions sur yo. Catégorie de prêts que yo a bay à client yo. Par exemple, cause transfert en façon pour protéger valeur monnaie nationale là, pour stabiliser prix. Eh bien, c'est tout ça qui est dans politique monétaire là. À côté des politiques monétaires là, BRH tout li joue rôle qui sié l'État haïtien. Donc c'est BRH qui a assuré, si m'dan pa di, l'argent qui a rentré dans la caisse l'État. Donc si l'État a besoin qu'on ait par exemple pour journée jodi à la fin de la journée, combien kòb ki rentre dans la caisse l'État, eh bien c'est BRH qui y a prélé pour capable bay donner ça. BRH tout à côté des caissiers rôle caissier de l'État li joue, c'est banque de l'État tout. C'est peut-être ça nous connaît. L'État, dans un certain moment, il arrive à dépenser plus que ça, il rentre. L'État, c'est BRH qui finance, si je ne peux pas dire, déficit budgétaire, ça, j'en nous connais souvent entendre. Troisième institution, nous allons regarder ensemble, c'est Loterie de l'État haïtien. Loterie de l'État haïtien, lui-même, c'est une institution qui l'a pour garder comment jouet hasard yo même yo a fonctionner. Donc c'est un organe de régulation qui est lui-même. Donc c'est lui-même qui régule causer jouet hasard, promotion et loterie. Donc c'est lui-même qui fait ça. D'ailleurs, comme nous on dit, c'est Loterie de l'État haïtien. Quatrième et dernière institution nous va regarder, c'est ça relé Fonds d'assistance économique et sociale qui gagne nous jouet li FAES. FAES, c'est une institution qui est là pour assister, si je suis capable de dire, et couche population qui est plus vulnérable. Donc, nous sommes capables de dire que les gens qui ont plus besoin. C'est peut-être ça, les fonds d'assistance. Donc, il est là pour assister les plus démunis, les plus vulnérables, en façon pour rejoindre une série de et pour satisfaire une série de besoins. C'est peut-être ça nous connaît une série de programmes FAES à exécuter côté que nous connaît gain des restaurants dans quartier populaire en façon pour permettre monde qui pas gain et assez de ressources, monde qui surtout dans chômage pour capable procurer des plats chauds à un coût qui très très minime.
FAESTO, les réaliser un ensemble de projets qui a caractère économique et social, non série des zones défavorisées en façon pour permettre aux gens capables de répondre à un ensemble de besoins. Donc, nous sommes contents pour nous continuer à regarder pour quatre autres institutions qui composent l'administration financière là, à savoir l'Institut haïtien des statistiques et d'informatique, la Banque de la République d'Haïti, l'Loterie de l'État haïtien et puis Fonds d'assistance économique et sociale. Donc, pour moi, Cap Vignan, nous allons regarder quatre autres institutions. On va oublier, c'est l'administration financière dont on va parler. Donc, il y a une bonne institution qui compose et nous là pour nous aider qu'on est qui institution sérieux. Quittez-nous d'où, abonnez avec Chanel Noir. Partager avec moun peut-être qui pourquoi j'aime moi contenu en façon pour capable toucher par contenu nous yo remet vidéo nous yo et rester connecté avec JCOM Haïti.